السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، لكي تكون حصصنا أكثر إفادة سوف نعتمد على هذه العلامة. إذا كنت تتابع الحصة عبر الإنترنت بمجرد أن تلاحظ ظهور هذه العلامة ما عليك إلا أن توقف الشريط حتى تكتب العناصر المبينة ثم تواصل الحصة بشكل عادي. أما إذا كنت تشاهد الحصة عبر التلفاز ولاحظت هذه العلامة ما عليك إلا أن تحاول أخذ صورة وفي الأخير ستصبح لديك مجموعة من الصور تستعملها فيما بعد لكتابة الدرس من أوله إلى آخره بشكل واضح. أتمنى أن تكون هذه الطريقة مساهمة في تجويد وتحسين التعلم عن بعد. بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves de deuxième année collégiale, bonjour. On est à la deuxième séance concernant le cours de la reproduction humaine. La séance précédente, on a vu les appareils reproducteurs et leurs fonctions chez l'homme et la femme. Aujourd'hui, on va voir l'activité cyclique chez la femme et la fécondation. La séance prochaine, on va étudier l'accouchement, l'allaitement et comment réguler les naissances. Maintenant, on va corriger l'exercice de la séance précédente. Donc, la première question était déterminer le mode de reproduction chez l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, le mode de la reproduction chez l'homme, une reproduction sexuée, car il nécessite la présence d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire un mâle et une femelle. La deuxième question, quel est le signe le plus remarquable de la puberté chez les garçons et chez les filles? Donc, chez les garçons, le signe le plus remarquable, c'est la première éjaculation, donc la production du sperme pour la première fois. Et chez les filles, c'est l'apparition des règles pour la première fois. Question 3. Quel est le rôle de la testicule et l'ovaire? Donc, la testicule produit les spermatozoïdes et une hormone, la testostérone. Et l'ovaire, elle produit des ovules et des hormones sexuelles femelles, les oestrogènes et la progestérone. La quatrième question, dessiner un spermatozoïde et un ovule. Donc, le dessin est très simple. La cinquième question, quelle est la différence entre les spermatozoïdes et les ovules? Donc, les spermatozoïdes sont produits de nombres très importants. L'ovule, généralement un seul chaque mois. La taille, les spermatozoïdes sont très petits par rapport à l'ovule. Les spermatozoïdes sont mobiles et les ovules immobiles. La durée de vie, 3 à 5 jours pour les spermatozoïdes, l'ovule 1 à 2 jours. Le cytoplasme, la quantité est très faible chez les spermatozoïdes et elle est abondante chez les ovules. Maintenant, on arrive à l'activité sexuelle chez la femme et la fécondation. Premièrement, on va étudier le cycle menstruel et le cycle ovarien. Voyons l'activité numéro 1. On commence cette activité par une petite définition. Les règles, c'est quoi? Une perte de sang provenant
de l'utérus qui circule par le vagin chaque mois, évidemment en absence de grossesse. Voilà, donc ici on a l'appareil génital femelle, là tout ça c'est l'utérus, et donc là l'endomètre. Donc la destruction de l'endomètre fait qu'il y a apparition du sang chaque mois. Ce sang là, c'est les règles. Ovulation, c'est quoi? Tout simplement, c'est la libération d'un ovule par l'ovaire. Ici, on a ovulation. Donc, là, tout ça, c'est l'ovaire. Là, un follicule. Et celui-là, c'est un ovule. Le voilà ici, là, et voilà la fin de l'ovulation. Voilà. Tout ça, c'est le follicule. Et ça, c'est l'ovaire. Et le fameux ovule. Celui-là, c'est matériel de médecin. Autre définition. Donc, le cycle menstruel, c'est quoi? Une période comprise entre le premier jour des règles jusqu'au premier jour des règles suivantes. Voilà. Ça, c'est un cycle menstruel. On voit bien qu'il y a le premier jour, 2, 3, et ainsi de suite, jusque 28 jours. Donc, le cycle menstruel est constitué théoriquement de 28 jours. Le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ce sont des jours des règles. Donc, l'apparition des règles qui durent théoriquement 5 jours. Ici, on parle dans notre cycle de l'ovaire, on voit bien qu'il y a différents stades. Là, on a des follicules immatures et avec le temps, il y a une maturation. Au 14e jour du cycle menstruel, là, on a ovulation. Après ovulation, le reste de follicules devient encore jaune. Donc là, on a deux phases. Une phase pré-ovulatoire, c'est-à-dire avant l'ovulation, et une phase post-ovulatoire, c'est-à-dire après l'ovulation. Celle-là, c'est la phase folliculaire, et celle-là, c'est la phase lutéale. À la première phase, le follicule sécrète les oestrogènes. Et à la deuxième phase, le corps jaune sécrète la progestérone. Et ces deux hormones-là arrivent par le biais de la circulation sanguine à tous les organes. Donc, on a une phase folliculaire avec maturation de follicules et sécrétion des oestrogènes. Et ovulation, c'est une libération d'un ovule. Et la deuxième phase, c'est la phase lutéale ou phase post-ovulatoire. Il y a sécrétion de la progestérone. Bon, de cette activité, on constate que le cycle menstruel, c'est une période comprise entre le premier jour des règles jusqu'au premier jour des règles suivantes. Ce cycle dure 28 jours, théoriquement. Et les règles durent 5 jours, les premiers 5 jours. Au 14e jour, on a l'ovulation. Le cycle ovarien, lui, comporte deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. La phase folliculaire, caractérisée par la croissance de follicules, donc il devient mûr, prêt à l'ovulation. La phase lutéale, caractérisée par la formation du corps jaune, qui est le reste de follicules. Ce corps jaune, il produit ou bien il sécrète l'hormone d'œstrogène.
Les règles, c'est quoi? Tout simplement des pertes de sang en provenance de l'utérus qui circule par le vagin chaque mois, si il n'y a pas de grossesse. Ovulation, c'est la libération d'un ovule par l'ovaire. Maintenant, à l'activité numéro 2. Là, on a le cycle utérin et aussi ovarien. Mais on va se concentrer au cycle utérin. Là, c'est l'utérus. C'est là, c'est l'endomètre. De premier jour au cinquième jour, il y a destruction de l'endomètre. Voyez bien. Voilà, destruction de l'endomètre. Après la destruction de l'endomètre, on rentre à une phase de croissance de l'endomètre. Là, voilà. Croissance de l'endomètre. Et là, c'est vascularisation et apparition des glandes. Donc, là, le numéro 1, c'est trompe de Fallope. Très bien. Là, ovaire. Là, c'est la cavité utérine. Et 4, bien sûr, c'est le vagin. Si on fait agrandir cet endroit de l'endomètre, on obtient cette présentation. Là, on a l'épaisseur en millimètres. Donc, en premier jour du cercle menstruel, l'endomètre est très épaisse. Donc là, on a 3 mm. Au cours des règles, il y a destruction de cet endomètre, donc diminution de l'épaisseur jusqu'à 1 mm. Ensuite, après le cinquième jour, la quatrième et le cinquième jour, il y a croissance de l'endomètre à nouveau pour arriver à 3 mm. Surtout à la phase folliculaire, celle-là. Après l'ovulation, là, on voit qu'il y a vascularisation, c'est-à-dire apparition des vaisseaux sanguins et apparition des glandes spiralées. Ce sont des glandes spiralées. Tout ça pour que l'endomètre soit prêt à recevoir l'embryon. Là, on a l'utérus en coupe. Là, en phase folliculaire, on voit bien la cavité, elle est importante. Contre ici, on est à la phase lutéale, mais l'endomètre devient vascularisé et riche en glandes spiralées. Là, on synchronise tous ces cycles. Là, on a le cycle menstruel, la phase des règles, l'ovulation, le 28e jour, la fin. Donc, destruction de l'endomètre, croissance de l'endomètre, là et là. Ici, apparition des règles à nouveau, ce qui indique l'absence de grossesse. Là, c'est le cycle utérin. Voilà l'endomètre qui se détruit. Croissance de l'endomètre. Vascularisation et apparition des glandes. Tout ça est gouverné ou bien contrôlé par des hormones. Un hormone, l'œstrogène, à la phase folliculaire et la progestérone à la phase lutéale. De tout ça, on constate que le cycle ovarien contrôle le cycle utérin par le biais des hormones. Donc, de tout ça, on constate que le cycle de l'utérus est constitué de deux phases. La phase folliculaire, donc dans cette phase, la première partie, c'est la production des règles suite à la destruction de la mucus utérin, l'endomètre. La deuxième
partie de cette phase folliculaire, c'est une phase proliférative, la croissance de la mucus utérin à nouveau. Et la phase lutinique, c'est la phase où l'endomètre devient plus vascularisé et apparition des glandes spiralies. Si on synchronise tous ces cycles menstruels, ovariens et de l'utérus, on constate qu'il existe une communication hormonale entre les ovaires et l'utérus. La croissance de la mucus utérin est stimulée par les œstrogènes ovariens. Et la vascularisation de la mucus utérin et la spiralisation des glandes sont stimulées par la progestérone associée aux œstrogènes. Donc, là, on passe à la troisième activité pour étudier la fécondation. Donc, au moment de l'accouplement, l'homme libère des millions de spermatozoïdes dans le vagin. Ces spermatozoïdes traversent le col de l'utérus, le canal de Fallope, et on voit bien que ce sont très nombreux. Là, on a des spermatozoïdes fatigués. Donc là, le voyage pour ces deux-là est terminé. Là, c'est un ovule entouré des spermatozoïdes. Donc là, c'est la rencontre des gamètes mâles avec le gamète femelle. Et ensuite, un seul spermatozoïde qui traverse la membrane de l'ovule. Seulement la tête qui rentre, le flagelle, reste à l'extérieur. Bon, donc là, on a ce fameux voyage des spermatozoïdes, mais d'une manière très simplifiée. Donc là, on a, après l'éjaculation, on a ici 350 millions de spermatozoïdes à peu près dans le vagin. Donc, ils traversent le col de l'utérus et le canal de Fallope à la recherche de l'ovule. Et voilà le lieu où se passe la fécondation. Là, on vous montre les étapes de la fécondation. Donc, la première étape, c'est la rencontre des spermatozoïdes. C'est pas un seul, mais beaucoup des spermatozoïdes avec l'ovule. Après ça, pénétration d'un seul spermatozoïde par la tête seulement, comme vous voyez là, libération de noyau masculin dans le cytoplasme de l'ovule, et là, la fusion des noyaux pour donner une seule cellule. Donc, on schématise toutes ces étapes de la fécondation. La première, rencontre des spermatozoïdes avec l'ovule. Vous voyez la formation des membranes de fécondation pour empêcher des autres spermatozoïdes de franchir la membrane de l'ovule. Après ça, on a fusion des deux noyaux pour donner un seul noyau. Donc là, on a une cellule œuf. Après fécondation, on ne parle plus de l'ovule, mais d'une cellule œuf. Après la fécondation, la cellule œuf arrive à l'utérus, mais après avoir subi des divisions successives pour donner un amas de cellules appelées morula. On a déjà dit que la cellule elle est immobile, mais son transport elle est assuré par les contractions du canal de
fallope. Et enfin, cet ensemble de cellules niche dans l'endomètre pour se transformer en embryon. Cette opération, c'est l'anidation. Chers élèves, de cette activité, on a vu qu'il y a un trajet des spermatozoïdes et un de l'ovule. Les spermatozoïdes déposés dans le vagin remontent dans l'utérus et progressent dans les trompes à la recherche de l'ovule. L'ovule, lui, est immobile, mais il est expulsé par les contractions et les cellules pariétaux de la trompe de Fallope. Aussi, on a vu que la fécondation se fait en trois étapes. La première, la rencontre des spermatozoïdes avec l'ovule. Beaucoup de spermatozoïdes et un seul ovule. La deuxième étape, c'est pénétration d'un seul spermatozoïde dans l'ovule. Pénétration de la tête seulement. Et à cette étape, se forme une membrane appelée membrane de la fécondation. Cette membrane-là empêche les autres spermatozoïdes d'entrer et de détruire l'ovule. La troisième étape, elle, c'est la fusion des deux noyaux, un noyau masculin et un féminin. À la fin, on obtient une cellule avec un noyau à l'origine mâle et à la même fois femelle. Cette cellule, c'est la cellule œuf. Après la fécondation, la cellule œuf subit des divisions successives. À la fin, on obtient un ensemble de cellules appelées morulas qui s'implantent dans l'endomètre. Cette implantation, c'est l'anidation. Donc, la grossesse commence et ça va durer 9 mois. Là, on va faire un bilan ensemble. Donc, la femme, chaque mois, a des règles. Donc, c'est le début du cycle menstruel. Ce cycle, ou bien cette activité, commence dès la puberté jusqu'à la ménopause. La ménopause, à peu près 45-50 ans, c'est-à-dire disparition définitive des règles. On a vu aussi que le cycle utérin est contrôlé ou bien ajusté par le cycle ovarien. Tout ça se fait avec des hormones. Donc, l'ovaire sécrète des hormones et ces hormones-là contrôlent le cycle utérin. Donc, et ensuite, la fécondation, on a vu qu'il se fait au niveau de trompe de Fallope et que l'ovule, après fécondation, devient une cellule œuf qui se niche dans l'endomètre. Donc, c'est la nidation. Là, un petit exercice à faire pour la séance prochaine. Donc, la question numéro 1, donnez les définitions simples au terme suivant. Les règles, c'est quoi? Ovulation, cycle sexuel, fécondation et nidation. La deuxième question, c'est quoi le rôle du corps jaune? La dernière et la troisième, quelle est la relation entre le cycle utérin et ovarien? Et à la séance prochaine.